Le 13 septembre dernier, Johanna Roland lançait le grand débat sur la transition énergétique. Un peu plus d'un an après la clôture du premier débat citoyen Nantes, la Loire et nous, un second grand débat est donc organisé pour recueillir les contributions des citoyens. Le débat s'articulera autour de quatre grandes questions. Quel mode de vie? Quel paysage? Quel accès à l'énergie? Et quelles innovations? L'idée de ce grand débat sur la transition énergétique, c'est de mettre en mouvement tous les acteurs de la métropole, de nos 24 communes, qui souvent n'ont pas attendu les institutions pour agir. C'est un débat d'idées, de contributions, de réflexions, mais c'est aussi un débat du faire, F-A-I-R-E, du concret, de l'action, pour que les grandes discussions que nous avons tous suivies de la COP21 à Paris se traduisent dans les faits, dans l'action, au quotidien. Une commission indépendante a été constituée de 4 membres citoyens et bénévoles. Elle a pour rôle de garantir le bon déroulement du débat, mais pas seulement. Alors elle a aussi le rôle de transparence par rapport aux informations qui vont être échangées pendant ce débat. Et elle aura aussi le rôle en fin de débat de rapporter, de faire une synthèse, de donner un rapport avec tous les échanges qui auraient pu être débattus pendant les 7 mois. Côté participation, les citoyens auront plusieurs possibilités pour pouvoir donner leur avis à titre individuel. D'abord, c'est de contribuer sur le site internet. Je crois que le site internet, c'est vraiment le bon support où on va pouvoir trouver toute la base de données en fait, qui concerne la transition énergétique. Il y aura aussi tout au cours de ce grand débat jusqu'en mars des auditions publiques. Et puis il y a aussi, à titre individuel, ce qu'on appelle le débat du fer, c'est de participer à des communautés et on peut s'inscrire. Voilà, ça c'est aussi vraiment le moyen de faire et pas seulement de contribuer par des idées. Les collectifs pourront bien sûr participer en rédigeant un cahier d'acteurs ou en prenant part à des séminaires d'acteurs ou bien encore en créant un événement labellisé. Le grand débat sur la transition énergétique se tiendra jusqu'au 31 mars 2017. Pour s'informer ou contribuer, rendez-vous sur le site www.nantestransitionenergetique.fr et sur les réseaux sociaux.